non. Non, mais moi, ça... Moi, non, ça marche pas, man. Ça m'intéresse de savoir un peu qu'est-ce qui. Tu nous disais que quand t'étais jeune, t'étais. Ouais. T'étais ouais. Pas charpentier. Ouais, pour un bout de temps dans ma vie, je faisais de la construction de maison. Puis. Mais le bois, là, j'ai tout le temps. Depuis que je peux avoir 4-5 ans, je me souviens les premières fois que je touchais du bois, si on veut, avec mon grand-père dans son atelier. Puis. De là, ça a commencé, puis ça n'a jamais arrêté. Je suis toujours dedans. Toujours dans le bois. La sculpture, c'est devenu après. Un moment donné, quand j'étais petit gars, j'avais un couteau de poche sur moi. Mm. Puis je faisais des sifflets. Une sifflette avec des bouts de branches. Ah ouais? Ça, je pourrais dire, c'est à peu près la première chose que, ni plus ni moins, c'est sculpté, ça. Puis après ça, j'ai commencé à jouer avec les outils à mon grand-père. Puis de là, ça s'est développé tranquillement. Puis, J'ai tout le temps joué avec un morceau de bois. T'es chanceux, je trouve du bois tous les jours. On se fait un bonhomme là? Let's go! My God. Right. Gonna go get the beer then. J'aurais envie de faire, j'aurais pu faire un walk mystique. C'est bon, ça marche. Ben non, je peux faire une petite phase de même. Un peu comme ça, mais ça c'est plus long à faire. Ouais. Moi, il y a ici François. Oui. Hein, t'as vu la dernière, hein? Bon, ouais. Il fait un truc avec le demande. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Pas de chaud. Oh! Tiens, lui, c'est très bon. Besoin d'aide, pas? Lui, il est libre. Ben, attends, passe-moi le reverse. Ça, c'est du canton. Moi, je suis là, quand t'es plus chaud, c'est du bois franc. Ouais, ça, c'est du bois franc. Ça, c'est un train. Oui. Bois franc, ça. Ça, c'est du bois franc. Okay. As-tu vu, ils ont été juste tirés là cet hiver, ils n'avaient pas bien cordé, hein? Utiliser.
Ouais, c'est la même chose que chez les grosses, mais c'est quand même petit. Il y a des petits détails. J'ai été chanceux, ça fait 30, quelques années que je fais ça. Puis je suis pas trop magané de ça. Mes jambes sont plus là, mais le reste, c'est encore là, ça marche. Puis, j'en ai développé une passion de sculpter. Je me dis, probablement, si j'avais continué d'avoir mes deux jambes, je n'aurais jamais touché à la sculpture comme ça. Exactement. Ouais. Avec ça que c'est parti. C'est vrai, ils n'ont pas eu d'école longtemps. Ah, François? Oui. Mettez vos noms d'un chapeau, là, puis tirez-le, puis le nom qui sortira va avoir la canne. Yay! C'est pour la canne. Non, c'est pour la canne. Qui va gagner la canne? Quoi? Savoir lequel de nos quatre va gagner la canne. Ben là, je veux pas être responsable pour... Est-ce que tu vas pleurer si tu gagnes pas? Ok, je vais pas parler maintenant. Ariane! Ariane! Yeah! Tu fais un travail remarquable. Oh, merci. Merci. Avec Paula, tous les deux ensemble, elle qui fait la peinture, c'est surtout, une fois qu'ils sont peinturés, c'est là qu'ils deviennent vraiment intéressants. C'est un aigle en vol, puis il attrape une truite. C'est fourrette, non? Elle pape avec une grenouille sur le dessus. Ouais, pour lui mettre un grappouette. As-tu déjà... C'est que vous avez une passion pour les oiseaux ou ouais, ça aussi. Vous oubliez ça, la sculpture, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de sculptures d'oiseaux. Ouais, les oiseaux, ça a tout le temps été intéressant de commencer à les observer et les identifier. C'est ça même qui est mon problème. J'ai pas une bonne mémoire pour toutes les identifier, mais quand même, il y en a tellement que. Ouais. Sanderling, qui appelle ça. Bécasseau Sanderling, qui est un oiseau de rivage qu'on trouve sur les plages. L'été, c'est un oiseau migrateur, donc il passe pas l'hiver alentour, mais c'est surtout un oiseau de l'hiver. C'est avec ces plans-là que je peux faire ça. Ouais. Avec le contour, tu regardes le profil. Uh-huh. Après ça, ça prend deux vues, du trois dimensions, ça prend la vue d'en haut et la vue de côté. Okay. Il y en a qui le font tout le temps. C'est un peu plus long à faire, mais ça se fait. Tu vois, là-dedans, c'est la tête. Il y a encore du branchu, là. Tu vois le côté de la tête, le dessus, le titre. Okay. J'ai tracé ça sur un bloc de... Ça, c'est du pain blanc. Okay. J'ai tracé ça sur un bloc de bois. Okay. Puis après ça, une fois que j'ai fait mes dessins, là, je vois ça assis à ruban, puis je découpe. Demi-heure, Luc? Demi-heure, ouais. 45 minutes. Allez, c'est magnifique. D'accord. C'est lequel votre préféré? Oiseau? Le perdrix. Ah oh, oui. Hein? Bon, nice. Notre poule de bois. Ouais, je peux l'avoir à l'autre bord, dans le bord de peinturé, mais il est justement pas peinturé. Et ouais, alors c'est tellement un bel oiseau. Mm-hmm. Et les mains là-haut, c'est quoi? Ah, ben ça, c'est. C'est tout le monde qui vient me voir s'ils veulent laisser leurs empreintes. Je demande de dessiner leurs mains au plafond, comme dans le temps des hommes des cavernes. Ça fait 8 ans que l'atelier est logé. Avant ça, mon atelier était
au village, dans l'atelier à mon grand-père, justement. Puis j'étais vraiment pas. J'étais pas gros là-dedans, j'avais pas grand place, puis je pouvais plus trop me rendre là. Fait que, puis on a construit ça. C'est depuis ce temps-là qu'on collectionne les mains. Qu'est-ce que vous préférez? On sait que vous préférez faire les oiseaux, mais comme si j'observe maintenant les têtes. Mais là, les bonhommes, vraiment, ça c'est un défi, hein, parce que faire une figure, c'est plutôt compliqué. Il ne faut pas trop l'enlever parce que tu perds l'émotion. C'est nouveau pour moi, faire des faces. C'est nouveau. Ça fait une couple d'années là, je peux dire que je m'essaye plus. Avant, j'en avais déjà fait, mais je ne réussissais pas tellement. Mais là ils commencent à avoir du caractère. Ils ont toutes les expressions. Est-ce que c'est en raison d'une commande justement que vous avez eue? Non, c'est juste que j'en ai envie qu'ils me... OK. Ouais. J'aurais quelques commandes, je pense, mais je ne me dis pas prêt encore. Ça fait que là, je suis en stage de formation. Pas rien de l'autre. Ah, on a-t-il assez?